reborn. Wow. Bon, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons assister à ce qu'on appelle la sorcellerie pure et simple. Ouais, c'est de la sorcellerie pure. Ha! Une femme a mis de la nourriture au feu. Elle gère un restaurant. Quand elle a tourné le dos, elle revient, elle voit quelque chose d'absolument impossible, voire incroyable à se produire. Et c'est quoi? Ce qu'elle a vu, ce sont des chèvres. Des chèvres en train de manger la nourriture qu'elle a mis au feu, pendant que la marmite se trouve sous le feu en train de bouillir. Et la nourriture à l'intérieur est en train de bouillir. Et ces chèvres-là sont en train de manger en même temps cette nourriture. Ça, mais ce sont des cabris même. Des cabris. Ah! Des cabris qui mangent de la nourriture étant au feu. Sérieux? Est-ce que c'est normal? Moi, je savais que dans la vie, tout est possible. Mais ça, là, c'est de la sorcellerie pure et simple. Si on ne vous a pas montré ça, vous allez penser que c'est une histoire. Alors, voir ça. Où est-ce que tu es étonné? Seigneur Jésus, c'est comment? Fais-nous sauver ici, là, parce que c'est pas bon. Hein. C'est que c'est pas un pays, là, c'est pas bon. Hein. Regardez ça, regardez ça. Ah, Seigneur, la sorcellerie pure. Ouais, c'est de la sorcellerie pure. Regardez. Ces câbles-là sont là, ici, juste là, devant vous. Est-ce que c'est de la blague? What is this? Qu'est-ce que c'est? Regardez-les bien. Et il y en a de toutes couleurs. Noir, marron. Il y en a tout. Il y a tout au pays. Il y a tout. Et regardez-les. Ils sont en train de manger la nourriture. Cette femme qui a pris son jet pour préparer. Elle cherche à faire le bénéfice dessus là. Eux, ils sont venus carrément en train de manger cette nourriture. Si on vous a pas monté la vidéo, vous avez pensé que c'est de la blague. Hein. Elle a décidé de filmer ça et de nous la montrer. Bam, bam, bam. Regardez. Regardez. Regardez de vous-même, de vos propres yeux, de vos yeux globuleux. Regardez. De vos yeux, soyez témoins oculaires aujourd'hui là-haut. Soyez témoins oculaires. Regardez, regardez, regardez. La sorcière a envoyé des cabris en train de manger sa nourriture. Ah, sérieux? Et la nourriture est chaude. Étant au feu, on voit même le bois, ils ont allumé la presse, tout ça, il y a le feu. Oh, il y a du feu, regardez comment la vapeur sort de la marmite. Et ces cabris sorciers là sont en train de manger la nourriture de la femme là-haut. Regardez, la nourriture étant au feu. Regardez le bois qui est à l'intérieur, là, le bois qui est à l'intérieur là. Ça lui servait ça à être le riz ou bien je ne sais pas quoi. En fait, c'est une nourriture qui se trouve dans la marmite. Et regardez ça. Eux, ils sont fous de ça. Il y a le feu, il y a tout, mais ils sont fous. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a pas tué les cabris là pour les mettre dans la marmite en même temps, ça a fini. Ma soeur. Tellement elle est dépassée là, non? Et non, ça, il faut que je filme, il faut que je monte au chat. Regardez ce que je viens de faire. Tchi, 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 tchi. Avez-vous déjà vu des cabris manger de la nourriture dans le feu? En tout cas, en Afrique, en plus, on pourra tout voir, on va tout voir aujourd'hui. Hein? Si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez sans doute pas cru. Regardez. Aïe, 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 aïe. Et ils s'approchent one by one, l'un après l'autre, pour pouvoir manger quoi, comme ici toi. Comme au bon vieux temps. Il y a le look, qu'elle avait allumé les mêmes pieds rassasiés. Il commence à remercier Dieu. Sur la prière pour Dieu, merci Dieu. Tu as donné la bonne nourriture. Eh, Seigneur. Ça, c'est même quoi? Ça, c'est même quoi? Des cabris qui mangent la nourriture étant au feu.
Et là, il y a la braise, il y a le feu, vous voyez même la vapeur. Ça a étonné tout le monde, ça a étonné tout le monde. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est comme vous mettez du riz au feu. Ouais, non. Vous mettez le riz, ça va bouillir jusqu'à... Ça va devenir vraiment bien sec. Ou presque. En même temps, vous voyez votre chat. Votre chat venir. Il enlève la fermeture de la marmite. Il lave bien sa main. Il prie. Il dit merci Seigneur pour la nourriture que tu m'as donnée. En même temps, pendant que la nourriture est tout sur le feu, hein, il se met à manger la nourriture, le riz est au feu avec le gaz qui allume, lui il mange. Ah! Mais où vous arrivez? Et puis vous voyez le chat en train de manger la nourriture. Quelle serait votre réaction? Comme je dis, les gens filment tout et parlent sur Facebook. Elle a filmé, elle a balancé où? C'est là, nous, on a vu ça. Mais non, c'est là, nous, on a vu ça, là. Affaire, affaire. Ah. Pour beaucoup de personnes, ce sont les caprices envoyés par les sorciers. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que des sorciers arrivent à faire ça? Maintenant, est-ce que c'est possible que les animaux aussi, comme les caprices, arrivent à faire ça? En tout cas, les cabris, là, avec les cabris, il faut s'attendre à tout. Hein. Ouais. Avec les cabris seulement, il faut s'attendre à tout. Parce que moi, j'ai déjà vécu dans un endroit où il y avait des cabris. Ils sont capables même de faire l'impossible. Oui. Non seulement, ils n'aiment pas se laver. Mais c'est ceux qui font les bêtises souvent. Oui. En tout cas, les cabris, il faut s'attendre à tout. Donc, ça veut dire que ça, là, ça peut aussi arriver. Mais comme il y a le feu en bas, il y a tout ça, ça pousse certaines personnes à dire que ah, ça là, c'est de la pure sorcellerie. Maintenant, est-ce que les sorciers peuvent faire ça? Est-ce que les sorciers peuvent le faire? Oui. Les sorciers peuvent contrôler les animaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un chien. Le sorcier est quelque part là-bas, il fait les évocations. Il met son esprit dans le chien. Et le chien, dès que vous voyez passer, il en boit en même temps. Le gars il dit, ah, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que le chien t'a fait belle? Oui, ça arrive. Ou bien les sorciers peuvent se transformer en moustiques pour venir piquer les gens la nuit. Ah, mais piquer! Ils sont venus piquer! Tout ça, c'est pour vous fatiguer. Là, la femme ici, elle a préparé. Elle a préparé beaucoup de nourriture qu'elle ne se peut pas vendre. C'est son restaurant. Mais là, ils sont venus pour manger cette nourriture-là. Ça, on va dire quoi? On va dire que ces cabrons-là sont comme des sorciers pour elle. Ce sont ces sorciers. Maintenant, est-ce que ce sont ces sorciers qui ont envoyé les cabrons là-bas? Personne ne sait. Si elle n'a jamais vu les cabrons auparavant, là, on va dire que vraiment, ça, c'est la pure sorcellerie. Maintenant, si ces cabris-là sont déjà là chez elle, là-bas, elle vit tranquillement avec ses cabris, et que c'est arrivé, c'est que sans doute c'est un sorcier quelque part qui a fait une invocation pour manipuler ses cabris et les diriger là. Moi, un jour, les sorciers m'ont combattu. Et ils m'ont combattu avec un cafard. J'ai fermé ma nourriture tranquillement. C'était bien fermé avec le couvercle. Le matin, je me lève, je vois le cafard à l'intérieur. Qui a mis le cafard dans ma nourriture? Ce sont les sorciers. Donc souvent, ils font ça aussi. C'est-à-dire, s'il y a une nourriture qui vous plaît, que vous êtes en train de manger avec appétit, et que vous avez gardé le reste, pour que vos joies ne continuent pas, ils vont venir mettre quelque chose de mauvais là-dedans. Un cafard, une bête, quelque chose du genre. Si ce n'est pas bien fermé. Si ce n'est pas bien fermé. Vous voyez dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ne donnez point accès au diable. Dieu nous dit, ne donnez point accès au diable. Ça veut dire, ne donnez point accès aux sorciers aussi. C'est-à-dire que là, la femme, là, si elle avait bien fermé la marmite, ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire, si la marmite était vraiment bien fermée, ou bien s'il y avait les gens pour surveiller, ce n'est pas arrivé.
Mais elle ne pouvait pas aussi s'attendre à ce que ça se passe ici. Oui, non. C'est comme vous avez des amis. Vous avez des amis, ce sont de mauvais amis. Vous pouvez choisir de vous séparer d'eux afin qu'ils ne puissent plus continuer à vous briser le cœur. C'est comme une fille, elle avec un gars. Le gars, tout il la trompe. Et quand il la trompe, ça lui fait mal au cœur. Elle peut prendre la décision de ne plus marcher avec lui, de couper la relation, briser carrément, séparer. C'est ça là. C'est ce qu'on appelle ne pas donner accès au diable. Si tu ne veux pas avoir goumé, là, il faut prendre des mesures. Les mesures de sécurité, vous prenez ton gilet de sauvetage. Ça veut dire que cette affaire-là, où il y a le cabri et tout ça, si elle a vu ça aujourd'hui, pour que ça n'arrive pas demain, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre des mesures sur le terrain. Quand le sorcier vous attaque dans la sorcellerie, c'est-à-dire spirituellement, et qu'il échoue, il vient physiquement. Ça peut se manifester aussi par des trucs pareils. Hein? Par des trucs pareils comme ce que vous êtes en train de voir. Ça peut être pareil. Tu as des animaux qui viennent manger votre nourriture. Ceux qui n'ont pas les yeux spirituels, qui ne savent pas ce qui se passe, ils vont dire, ah, ça peut être normal, comme vous n'avez pas bien fermé la nourriture, c'est pourquoi. Ça, la sorcellerie, ça peut vous combattre de cette sorte. Hein? Mais les gens ne vont pas savoir que c'est la sorcellerie. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche ou bien une vraie affaire à faire demain, la nuit, les sorciers ne vont pas vous laisser dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont toucher le voisin, l'un des voisins qui est là-bas. Lui et sa femme vont se mettre à se battre la nuit, là, la nuit où vous devez dormir, pour bien vous reposer pour vous lever le matin. C'est la nuit là même, là, ils vont choisir pour venir faire par là. Oh, y'a quoi? Qu'est-ce que je me fais? Oh, pourquoi ne me trompe? Oh, pourquoi ne me trompe pas? Hey, pourquoi ne m'a pas trompé? Fallait me tromper! Ils vont faire le bruit du malin, non? Faut même la vous qui se de sortir, mais pas les faire par là-bas, et vous êtes la troisième personne. Mais ne sortez pas! C'est un piège. C'est le piège du diable. Quand vous le voyez se bagarrer comme ça, ne mettez pas votre bouche dedans. Prenez vos dispositions. Faites ce que vous pouvez faire. Si c'est un écouteur, vous allez mettre dans vos oreilles. Il y a des écouteurs aujourd'hui, on vend et puis c'est noise cancelling. Comment on dit ça en français? Noise cancelling. Comment on dit ça en français? Genre, réducteur de bruit, quoi, ou bien ça supprime le bruit. Vous pouvez utiliser ces écouteurs pour vous fermer vos oreilles, pour ne pas entendre. Sinon, bouchez vos oreilles avec quelque chose d'autre. Mais ne sautez pas. Si ces gens-là se sont levés cette nuit-là, c'est parce que demain il y a un bonheur pour vous. Comme ils sont des sorciers, c'est là qu'ils se sont mis à faire du bruit comme ça. Ou bien vous voyez des souris la nuit. Les souris vont commencer à faire du bruit dans la maison là. Vous allez passer toute la nuit à poursuivre les souris. Le matin, vous allez vous lever très fatigué. Ils font ça pour vous bien vous fatiguer. Pour que le matin, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ça, les sorciers peuvent faire ça. Oui, c'est pourquoi il faut vraiment être vigilant aussi. C'est bon, prix, mais sur le terrain, il faut être vigilant. Oui, parce que les sorciers attaquent spirituellement et ils attaquent physiquement. Un sorcier peut t'attaquer dans la nuit quand il est chaud là. Il veut le matin te provoquer. Tu ne lui as rien fait, tes suites. Tu ne lui as rien dit, tes suites. Il te manque de respect. Tu as assis quelque part là, il quitte là-bas, il écoute ton pépé, il dit pardon, pardon, excuse-moi. Et la fille dit excuse-moi encore, il quitte là-bas, quoi, il vient, il écoute encore ton pépé, aouh, excuse-moi. Pendant ce temps-là, la douleur, ça joue dans toi, hein, ça entre toi. Là, il t'a fait du feu, il te fait du mal et puis il te caresse. Il te gifle et puis il te caresse. Ouh, pardon, il te gifle, ouh, pardon. C'est ce que la société fout. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte. Si quelqu'un te gifle, et puis disons pardon. Et puis t'es gifle encore. Et puis disons pas pardon encore. Mon ami, si tu restes encore, c'est que tu es trop sage. Non, t'es pas sage, t'es bête. Quitte là. Quitte à côté de ce gars et puis mets une barrière. Parce qu'il a été attaqué et te fait semblant qu'il t'aime. C'est comme les filles là. Elles ont des gars qui les trompent matin, midi, soir. Elles ont mal au cœur, mais elles ont des désirs de relation. Il la trompe ou il la trompe. Il la trompe ou il la trompe. Mais elles sont dans le dedans, elles ont des désirs de relation. Qui te force?
Elles sont forcées. Quitte cette relation où tu as goûté, tu as mal au cœur 24 heures sur 24. Ah, tu veux mourir jeune ou quoi? Est-ce que tu veux mourir avant ton temps? Pardon. Vous me dites pardon. La sorcellerie aussi se manifeste sous cette forme-là. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Quitte cette relation et tu auras la paix. C'est tout. Parce que les gens vraiment ont un mauvais cœur sur la terre. Ce n'est pas de la blague. En tout cas, frères et sœurs, faites attention à vous. Je prie que Dieu vous protège. Dans la prochaine vidéo qui va venir, on va voir une fille qui s'est retrouvée en Libye. Et tout de suite, elle a été frappée de folie. Ah, est-ce que ce sont ces sorciers de son pays qui lui ont lancé un sort? Mais en tout cas, ce n'est pas joli à voir hein, ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et restez connecté. Surtout, restez connecté. Nous allons voir ça. Soyez prêts. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces chefs-là sont les chefs des sorciers? Si ce sont les chefs des sorciers, que vous n'avez pas de commentaires, ce sont les chefs des sorciers! Maintenant, si vous pensez que ça peut être normal, ça peut arriver parce que peut-être que vous avez eu cette expérience, écrivez dans la partie de commentaires. C'est normal. Écrivez dans la partie de commentaires. Normal. Là, je vois. Voilà, ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.